Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Beaucoup de personnes ont témoigné que le concert de Travis Scott était comme un concert en enfer. Est-ce que c'était réel? Deux personnes, comme la fille que vous voyez à l'écran là-bas, a dit clairement qu'il y avait une énergie démoniaque, une énergie négative qui se dégageait de ce concert. Mais pourquoi nous en parlons? Nous en parlons à cause du nombre de morts qu'il y avait là-bas et les gens cherchent à savoir toujours qu'est-ce que c'est. Mais d'abord, écoutons le témoignage d'une personne qui était. C'est parti. Waouh, vous venez d'entendre ça, cette personne parle en anglais, essayez de faire attention. Vous pouvez faire un bref résumé en commentaire aussi. Cette personne dit, on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer, d'être dans un concert en enfer. Et c'était impossible de respirer, de voir. Imaginez juste le nombre de personnes qu'ils vont retrouver ce soir qui étaient dans le public. Qui ne pouvaient rien voir ni entendre, qui sont morts et qui, même morts, se faisaient marcher dessus pendant tout le concert. Je pense qu'il y aura probablement 100 morts ce soir. Dans le coin VIP, il y avait tellement de cadavres au sol, les gens ont essayé de leur faire de massage cardiaque. Et ils essayaient de la retourner. Leur visage devenait noir et bleu, genre. J'ai jamais vu la mort de mes propres yeux et maintenant, juste autour de moi, il y avait 10 cadavres. Et dès que les équipes médicales les aidaient, dès que leur corps ne répondait plus, ils passaient juste à un autre corps et ils ne pouvaient rien faire d'autre. Vraiment, ça m'a vraiment terrorisé. Ça avait vraiment une ambiance satanique et démoniaque. Les gens demandaient de l'aide. On avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer, d'être dans un concert en enfer. Nous allons écouter la fille que vous voyez là-bas et vous allez entendre ce qu'elle va dire. Elle aussi, elle parle en anglais, il essaie de faire la traduction. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez nous aider dans la traduction. Écoutons. Je viens ici pour vous parler de mes expériences à Astroworld. C'était extrêmement traumatisant. I've never experienced anything like that in my entire life. Je n'ai jamais vécu une chose pareille de toute ma vie. Probably because I've never been surrounded by so many lifeless bodies all around me. Elle était tourisée par le corps des gens autour d'elle. It was so demonic. C'était si démoniaque. The energy. L'énergie. Was so demonic. C'était si démoniaque. The set was demonic. La scène était démoniaque. Travis Scott était. Travis was demonic. Était démoniaque. And we were literally in hell. Like it felt like we were in hell. C'est comme si tout le monde était en enfer. C'est comme si l'environnement était même en enfer. Nobody could breathe. Personne ne pouvait respirer. We were all suffocating. Tout le monde avait du mal à dire tout le monde s'étouffait, quoi. Everybody around me was suffocating. Tout le monde était. Écoutez le cri des gens. Vous avez entendu le cri des gens qui étaient. Attendez, revenez pas là, écoutez. In hell, like it felt like we were in hell. Nobody could breathe. We were all suffocating. Everybody around me was suffocating. Jésus, vous avez entendu le cri là,
Ah, vous avez entendu ça? Attendez, revenez pas là, écoutez très bien encore. Hein. We were literally in hell. Like, it felt like we were in hell. Nobody could breathe. We were all suffocating. Everybody around me was suffocating. Vous avez entendu les cris là? Seigneur Jésus, alors que nous sommes encore sur la terre ici, hein? Nous sommes encore sur la terre. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne tous ces péchés. Ou... Seigneur, pardonne, fais-moi laver, pardonne-moi mes péchés. L'enfer, c'est pas bon, c'est pas bon en toi. Tiens! Attendez, le concert de Travis Scott, était-il réellement un concert en enfer? Les gens témoignent, témoignaient, comme vous venez de l'entendre. Mais, il y a une jeune personne, une jeune femme qui va nous parler maintenant. Oui, elle va maintenant nous parler. Elle va nous dire que si vous pensez que le concert de Travis Scott était un concert en enfer, vous serez surpris quand vous verrez le vrai enfer. Parce que là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez ou que vous avez vécu comme expérience à ce concert. Vous avez dit que vous ne pouvez pas respirer. Vous avez l'impression que c'était démoniaque, c'était vraiment satanique. Et vous cherchez à vous échapper, donc vous cherchez de l'aide, non? Elle dit qu'en enfer, là-bas, personne ne va venir vous secourir. Personne ne va venir vous aider. Parce que ce serait trop tard. Si vous avez vécu cette expérience à ce concert-là, c'est juste pour vous informer qu'il est l'heure, le grand temps que vous changez de vie, que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, c'est fini. Une fois que vous êtes en enfer, même Dieu ne pourra plus venir vous aider. Vous ne pourrez plus crier à l'aide, ni à personne pour venir vous aider. En gros, c'est ce qu'elle va dire. Elle va parler en anglais. Je vais essayer de faire la traduction avec plus de détails maintenant. Écoutons. If that concert was kind of like an experience of what hell feels like. Si ce concert était une expérience de comment l'enfer est. Can you imagine what hell actually is like? Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment l'enfer actuellement est? Hell is not a joke. L'enfer, ce n'est pas de la blague. Hell is endless suffering. L'enfer, c'est un lieu de souffrance éternelle. With absolutely no one to save you. Et avec absolument personne pour vous sauver. Just like this concert where people were dying and being suffocated and they were screaming and crying for help. But for minutes and minutes, the concert kept going. Nobody stopped to help. That's how hell is going to be like. But the difference is, hell, nobody will save you at all. Indiquez, vous avez dit qu'au cours de ce concert, les gens souffraient, d'autres mouraient, tombaient, tout ça, et le concert continuait, personne pour arrêter le concert, personne pour venir vous aider. Ok, si vous avez vu ça, c'est assez bien. Mais vous devez savoir que l'enfer, là-bas, vraiment, il n'y aura vraiment aucune personne pour venir vous aider. Ce sera une souffrance vraiment atroce, une souffrance éternelle. And the suffering is internal. Et la souffrance est vraiment éternelle. And you won't be saved. Et vous ne serez pas sauvé. And hell is so much worse. From... Et l'enfer est beaucoup plus pire. This concert, in the end, paramedics came, people came to help, and people that attended were helping each other get out. But in hell, the person next to you won't save you. Elle dit qu'à ce concert, vous avez vu qu'après, les gens sont venus vous aider, vous faire sortir, vous sauver. Mais en enfer, vraiment, personne ne viendra vous sauver. The devil himself won't even save you, obviously. C'est probablement le diable qui va venir vous sauver. And even God cannot save you. Parce que Dieu ne pourra pas vous sauver. Because it will be too late. Parce que ce serait déjà trop tard. Et moi, je vous dis, si vous pensez que le diable va venir vous sauver étant en enfer, je vous assure, le diable ne va jamais venir vous sauver en enfer. C'est pourquoi, dès à présent, luttons contre le péché, fuyons le mal, et puis accrochons-nous à Dieu chaque jour et allons de l'avant ensemble.
N'allons pas en enfer juste pour les choses inutiles de ce monde. Tout ce qui va vous empêcher d'entrer au paradis, il faut vous séparer de cela pendant qu'il est temps. This message is about recognize that now is the time to be saved. Elle dit que ce message est pour permettre aux gens de reconnaître que maintenant est le temps pour être sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure où vous êtes en vie, en train de regarder cette vidéo, c'est le moment, c'est le temps pour vous d'être sauvé. C'est comme si on va dire que c'est votre dernière chance. Ou bien c'est la dernière grâce que Dieu vous accorde. So we're going to read the Bible. We're going to first read in the book of Matthew, chapter 13. Parce qu'on lit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 49 à 50. Bon, à la fois, prenez votre Bible. Je vais prendre la Bible tout de suite. Voilà. Elle va carrément lire ce verset-là en anglais. Hein. Mais moi, j'ai la version en français ici. Donc, je vais la lire. Donc, prenez-vous aussi votre Bible. Matthieu, dans Matthieu 13, verset 49 à 50. Il est clairement écrit. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je reprends. On dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? On dit clairement que si aujourd'hui vous êtes mélangés, les bons et les méchants, si aujourd'hui vous êtes mélangés, quand le temps sera venu à la fin de tout le temps, quand le moment-là sera venu, Dieu envoie ses anges venir faire un tri ici parmi nous. Ceux qui sont méchants seront mis à côté. Ceux qui sont bons aussi seront mis de l'autre côté. Et les méchants là, seront jetés dans la fournaise ardente et de feu. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, vous avez entendu ça? Et là-bas, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un peu comme le cri que je viens de vous faire entendre. Vous avez entendu le cri de cette personne qui a déjà vu la mort en face. Et comment les gens crient quand ils voient la mort. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'ai fait cette expérience plusieurs fois. Donc souvent, je fais beaucoup attention à ma vie. Et c'est ce qu'elle va lire maintenant en anglais. Écoutez. Matthieu 13, verset 49 à 50. C'est ce qu'elle va lire maintenant en anglais. Écoutez la Bible. So the Bible says, that is the way it will be at the end of the world. The angels will come and separate the evil people from the righteous, throwing the evil into the furnace of fire where there will be weeping and gnashing of teeth. In verse 50, Jesus says, do you understand all these things? God is asking you, do you understand these things? Do you understand that if you don't give your life to Christ today, if you don't choose to be saved today, that you can't be saved when it's too late? Attendez, elle dit que Jésus a dit, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Jésus pose la question à ses disciples de savoir, mais est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Il dit, oui, on comprend. Elle dit que si Jésus a posé cette question, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir, il faut se préparer. Saying, do you understand these things? Let's continue reading. Let's read now in the book of Luke, chapter 13, and I'm going to read from verse 22 to 38. Ok, on va continuer à lire l'autre passage qui est lu dans Luc 13, verset 22 à 30. Prenez votre Bible encore.
Donc, dans Luc 13, versets 22 à 30, il est écrit: Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous mettez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Vous avez entendu ça? Et c'est ce qu'on va lire maintenant en anglais. Écoutez. Okay, so the Bible says Jesus went through the towns and villages, teaching as he went and going toward Jerusalem. Then someone asked him, Lord, would only a few be saved? He replied, Strive to enter the narrow gate to God's kingdom. When the master of the house has locked the door, it will be too late. You will stand outside, knocking and pleading, Lord, open the door for us. But he will reply, I don't know you or where you come from. Then you will say, But we ate and drank with you, and you taught in our streets. And he will reply, I tell you, I don't know you or where you come from. Get away from me, all you who do evil. Verse 28, There will be weeping and gnashing of teeth, for you will see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, but you will be thrown out, and people will come from all over the world, from east and west, north and south, to take their places in the kingdom of God. And note this, some who seem least important now will be the greatest then, and some who are the greatest now will be least important then. Okay, guys, it does not get more clear than this. As we just read, the Bible says that when God closes the gate of heaven, it's going to be too late. No matter how many times you knock, pleading, crying out to Him, and saying, I did this, I did that, God is literally going to tell you, I do not know you. Elle dit qu'une fois que vous êtes jeté dehors, Dieu ne va plus vous reconnaître. Il dira clairement que je ne vous ai pas, je ne vous reconnais pas. I don't know you and I don't know where you come from. Et je ne sais pas d'où vous venez. It's going to be too late. Those Ça sera trop tard. that did not make the decision to be saved, they will be thrown out. They will be thrown into fire, into hell. Et si vous ne le faites pas, vous allez vraiment être jeté en enfer dans le feu. Where the Bible says that they will be weeping and gnashing of teeth. Et c'est dans un endroit où vous serez des grincements de dents, vous allez pleurer. Imagine gnashing your teeth for eternity.
Imaginez que vous allez le faire pour l'éternité. That's so much pain and Ça, c'est beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. you are suffering and it's endless and nobody's going to save you. Et personne ne viendra vous sauver. And the Bible is very clear, not even God will save you then because it will be too late. Et la Bible est très claire là-dessus. Même Dieu ne viendra pas vous sauver parce que ce serait déjà trop tard. That's why I'm telling you, now is your time to be saved. C'est pourquoi je vous le dis, maintenant est le temps pour vous d'être sauvés. Now, when you are still alive, when you are still on earth, Maintenant que vous êtes en vie, maintenant que vous êtes sur la terre, is your time to give your life to Jesus. c'est le temps de donner votre vie à Jésus. Now is your time to get right with God. C'est maintenant de vous reconcilier à Dieu. Now is your time to make the decision to walk righteously with God. C'est maintenant l'heure de prendre la décision de pouvoir vraiment marcher avec Dieu. Now is your time. If you haven't accepted Jesus in your life yet as your Lord and Savior, now is your time to do so. Il dit que si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, maintenant c'est le temps de le faire parce que. Because when it's too late, it's going to be too late. Parce que quand ce sera trop tard, ce sera vraiment trop tard. You won't be saved then. Et vous ne serez plus sauvés. Now is your time. Maintenant est votre temps. Right now, today is your time. Maintenant, aujourd'hui, c'est votre temps. Ne dites pas non demain. Not tomorrow. Ne dites pas non dans un an. Not in a year, not in 2 years, Non en deux ans. not in the next generation. Non dans la prochaine génération, mais maintenant. But Pourquoi? now, why the Bible says that the coming of Jesus is unknown, he's gonna come like a thief. Nobody's gonna know if he's gonna come in a day. Pourquoi vous devez le faire maintenant? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ va venir comme un voleur. Vous n'aurez même pas le temps de le faire. or the night or in the afternoon or what day is gonna come. Et même la nuit, ou bien de l'après-midi, un autre jour. Bon. And you don't want him to return when you are not saved yet. Et vous n'allez pas revenir en arrière tant que vous n'êtes pas sauvé. You don't want Jesus to return when you are not right with him. Jesus is saving now. There's Elle dit que Jésus sauve maintenant. still a chance for you to be saved. Et c'est maintenant votre chance de pouvoir être sauvé. Now, we don't know when Jesus is coming. On ne sait pas quand Jésus-Christ va revenir. All I know is that now that you're watching this video, now that you're alive, it's your chance now to reconcile with God. Elle dit que ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, là, vous regardez cette vidéo, c'est maintenant qu'il est temps de vous reconcilier avec Dieu. Your chance now to accept Jesus in your life. C'est maintenant votre chance de cette vie de Christ dans votre vie. Because the Bible says there is salvation in no one else. Et parce que Dieu dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Elle va le dire en anglais. For there is no other name under heaven given amongst men by which we must be saved. There is no other name that we can be saved if not the name of Jesus. Your father's name cannot save you. Your pastor's name cannot save you. Elle dit que le nom de votre père ne pourra pas vous sauver, ni le nom de votre pasteur. Your favorite singer's name, your favorite actor. Le nom de votre artiste préféré Actor's name cannot save you. ne pourra pas vous sauver. The only name that can save you, the only person that can save you is Jesus. Elle dit que la seule personne dont le nom pourra vous sauver est Jésus. Mes frères et sœurs, je ne peux pas vous mentir. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Moi, je me trouvais dans une situation où j'étais face à la mort un jour. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé tout le monde. Tous ceux qui étaient de moi. En commençant par celui-là même qui m'a mis au monde. En passant
par mes frères même qui étaient proches de moi, des frères qui dormaient dans la même chambre que moi. Malheureusement, ce jour-là, rien ne s'est passé. Personne n'a pu me sauver alors que j'étais face à la mort. J'étais en train de mourir. Mais je vous assure que le nom de Jésus, je n'ai même pas fini de prononcer Jésus. Automatiquement, un miracle s'est produit et j'ai été libéré. Je vous assure. Voici Dieu. Voici la terre. Voici le ciel. Voici la mer. Je ne peux pas mentir. Le nom de Jésus, c'est un grand nom qui a une forte puissance qui agit dans les moments de détresse. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ses enfants. Il n'y a aucun autre nom sur cette planète qui pourra vous sauver si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Je confesse aujourd'hui que le nom qui pourra vous sauver, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de votre pasteur. Ce n'est pas le nom de votre mari, de votre chéri préféré. Ce n'est pas le nom de votre copine ou de votre femme. Ce n'est pas le nom de vos enfants. Ce n'est pas le nom de votre enfant préféré. Ce n'est pas le nom de celui avec qui vous aimez plus. Dans ce moment difficile et tragique, où l'homme est face au démon, le seul nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui peut aider, c'est le nom de Jésus-Christ. Nuance reborn égale Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a sauvé, c'est pourquoi Nuance reborn existe. Dans toute la dimension, je vous le dis, Jésus est mon seul sauveur. Je ne peux pas vous mentir, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous mentir. Il faut que je vous dise la vérité. Donc, si on vous dit que, si on vous dit dans Acte 4, verset 12, que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si on dit ça, c'est que c'est vrai. Dans ce monde où nous sommes, un seul nom est reconnu dans le monde de l'esprit comme un nom dangereux, comme un nom puissant. Et c'est le nom de Jésus. Là, je n'ajoute même pas Jésus-Christ, hein. Je ne dis pas Jésus-Christ, non. Je dis Jésus seulement, ça fait le boulot. Tu ne finis même pas de dire Jésus-Christ. Une fois que tu penses à lui, il fait le travail. Vraiment, big up à Jésus-Christ, big up, je salue Jésus-Christ, je salue Dieu, je salue le Créateur, je vous salue tous. Pardonne-moi toutes mes iniquités, je fais tout mon effort, tout ce qui est possible pour plaire à Dieu. Seigneur, conduis-moi seulement. Même si je tombe, je vais me relever toujours. Et je vais toujours te porter dans mon cœur. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et oui, je vous assure. Écoutons la suite. That is why I'm encouraging somebody watching this. If you haven't given your life to Jesus, if you haven't accepted him as your Lord and Savior, do it now. C'est pourquoi j'encourage les gens qui regardent cette vidéo. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous n'avez pas encore accepté Dieu dans votre vie, faites-le maintenant. Now is your chance to do it because only in Jesus' name that we are saved. Maintenant, votre chance de le faire. Et c'est seulement en Jésus-Christ que vous pouvez être sauvés. And if you reject Jesus now, guess what Jesus is gonna do when it's too late? Elle dit que si vous rejetez Jésus-Christ maintenant, vraiment, ce serait vraiment trop tard. Trop tard, prochainement, ce serait vraiment trop tard. He's gonna reject you too. Et si vous le rejetez aujourd'hui, lui aussi, il vous rejettera. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous écoutez cette vidéo, si vous rejetez Jésus-Christ, lui aussi, il vous rejettera en ce moment difficile, en ce dernier jour, dans les derniers jours, le moment de la fin. Jesus said that if you are ashamed of him now, Parce que Jésus a dit, si tu as honte de lui maintenant, for whatever reason,
Ou peu importe la raison, Jesus says that he will be ashamed of you. Jésus-Christ a dit que lui aussi, il aura honte de vous. When you show up before his father, when you show up before... Et il aura honte de vous devant son père. Il ne va pas vous reconnaître, mais devant son papa. Matthieu 10, verset 30. Allons lire. Dans Matthieu 10, verset 30, il est clairement écrit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. For God, Jesus will be ashamed of you. He's going to say, I don't know you. Because you say that you didn't know him on earth. Je vous dis que vous ne connaissez pas Jésus-Christ sur la terre. The Bible says that I am the way, the truth, and the life. And no one can see the Father except through me. No one can see God except through Jesus. So stop playing around. Stop joking around with your life. This is your time to take your life seriously. Acting like... Hell is some place of party, like a place of celebration. The world wants you to think that. The world wants you to think that when you go to hell, you're going to celebrate. Elle dit que les gens pensent que aller à l'enfer, c'est comme aller faire le show là-bas. Elle dit vraiment, célébrer quoi? Célébrer what? Célébrer quoi? There is nothing to celebrate in hell. Y a rien à célébrer en enfer. Not be deceived. Ne soyez pas trompé. Hell is not a place where you're gonna go party. C'est pas un endroit où vous allez aller faire la fête. Where you're gonna go meet your favorite artist. Ne c'est pas un endroit où vous allez aller rencontrer votre artiste préféré. Together you're gonna party and sing and rap and do. C'est pas un endroit où vous allez aller chanter, rapper. Whatever, no. Ou faire quelque chose d'autre. You're going to. Non. Be weeping, gnashing your teeth for it. C'est un endroit où vous allez aller pleurer, vous allez vous graisser les dents. Eternity, why would you want to do that when you can choose life for eternity? The Bible says that I place life and death before you. Choose life so that. Elle dit que le Seigneur Jésus-Christ a placé. Dieu nous a dit qu'il a placé devant nous la vie et la mort. Choisissons la vie. You may live. God is giving you a choice. You can either choose eternal life or choose death. Eternal. Elle dit que vous avez la possibilité de choisir étant en vie. Vous avez la possibilité de choisir la vie ou de choisir la mort. Suffering. Pour la souffrance éternelle. And today I pray that you make the decision. Et aujourd'hui, je prie que vous prenez la décision to choose life. De choisir la vie. To accept Jesus. To d'accepter Jésus-Christ de vous. Reconcile your relationship with Jesus. De vraiment reconstruire une fois votre relation avec Jésus-Christ. Because when it's too late, it's going to be too late. Parce que quand c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. So if you haven't accepted Jesus in your life yet, there is no time to waste. I pray that this message touches you. I pray that you open your heart to him, that you accept him, and that you give your life to him. Je prie que ce message touche votre cœur et que vous puissiez vraiment accepter Jésus-Christ dans votre vie. Because only he can save you. Parce que lui seul peut vous sauver. And if he allowed you to watch his video, et si vous permet que vous regardez cette vidéo, it's not for nothing, it's because ce n'est pas pour rien, parce que he loves you. Il vous aime. Jesus loves you. Jésus vous aime. And he wants you to come to him. Et il veut que vous reveniez à lui. He wants to give you the eternal life that the world cannot give you. Et il veut vous donner vraiment toute la vie que le monde entier ne pourra pas vous donner. If you're watching this and you went to this Astro World concert, the fact that you're alive is by God's grace. Et si vous regardez cette vidéo, alors que vous êtes allé au concert Astro World, c'est-à-dire le concert de Travis Scott, c'est vraiment la grâce de Dieu. This is your chance. Ça, c'est votre chance. What you experienced at that concert? Cette expérience, ce que vous avez expérimenté à ce concert. Hell is going to be way worse than that. L'enfer va être pire, vraiment très, vraiment plus terrible que ça. And God is giving you this chance to escape hell. Et Dieu vous donne la chance de pouvoir échapper à l'enfer. And the only way to do that is to come to Jesus. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est de venir à Jésus-Christ. Really pray that this video bless. Je prie que cette vidéo vous a béni. Somebody watching this. Pour toutes les personnes qui regardent cela. And yeah, like the video, comment and subscribe and. Voilà. Mes frères et sœurs, voici, elle a parlé.
Elle a parlé, elle a dit tout. Elle a vraiment dit tout. Elle a dit beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Vraiment, cette vie, hein. Cette vie-ci, hein. La vie où on se trouve là, hein. Moi, je l'assure. C'est vrai. Il n'y a aucun nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, qui peut sauver Allah, là. Je vous assure, hein. Je vous assure. Donnez vos vies à Jésus-Christ. C'est un bon gars. C'est une bonne personne. C'est une personne très gentille. C'est une personne vraiment de confiance. C'est une personne vraiment qui est juste. Je vous assure. C'est pas un mauvais type. C'est un bon type. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à cet instant. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à là, écrivez-vous en commentaire. Nous t'avons suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'ai encore des choses à vous dire ou encore à vous montrer. Soyez prêts.